à l'école. Sachez que l'Éternel, c'est lui qui nous a fait et pour lui, nous sommes entrés dans. Et sa divinité, l'église dit amen. Le sujet qui nous servirait de dimanche en matière de prédication pour ce troisième dimanche 2023, c'est peut-être notre dernier message pour cette année dans cette assemblée, parce que moi je suis en congé, je vais décider. À l'image des psaumes 66, 81, 95 et 76, le psaume 100 est une exhortation joyeuse à la louange et à l'adoration. Il a chanté parmi les chrétiens à travers les siècles. De nombreux hymnes sont inspirés. De même que les foules ou les chrétiens d'aujourd'hui se rassemblent dans les rues ou dans les coins pour chanter le nom de l'Éternel ou pour célébrer son nom ou pour prêcher sur son nom. Dans cette portion ou dans le psaume 100, tout le monde, la terre entière, est invitée à lancer une joyeuse clameur vers l'Éternel. On nous dit que le lieu où la raison de la louange à l'époque du psalmiste, c'était le seul endroit prévu pour louer Dieu ou adorer Dieu, était le temple sur la sainte montagne de Sion. Et c'est pourquoi les adorateurs sont encouragés à entrer dans ces portes avec reconnaissance et dans ces pavis avec la louange. Et c'est là qu'ils doivent remercier Dieu et louer son Seigneur. Nous n'avons plus besoin de rendre au temple ou à Jérusalem pour adorer Dieu. Mais là où vous êtes, chez vous, dans votre bureau, dans votre maison, en ami ou en famille, dans le lieu où vous êtes prié ou vous êtes invité à adorer votre Dieu du fait que vous êtes chrétien. Mais il est toujours utile de nous rassembler en tant que croyants pour des moments de célébration, comme c'est le cas de ce matin avec la chorale en groupe des dames, où nous pouvons exprimer notre reconnaissance à un Dieu saint, à un Dieu responsable, à un Dieu béni, à un Dieu qui dresse des projets éternels à notre égard. Nous pouvons aussi exprimer notre reconnaissance et nos louanges pour ses bénédictions à notre égard. Si il est notre Dieu, criez louez l'Éternel. Louez l'Éternel. Louez l'Éternel. Que ton nom soit béni. 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 En bénissez son nom. Bénissez son nom. Bénissez son nom. Bénissez son nom. Que le Seigneur de la vie bénissez son nom. Bénissez son nom. Ou un animal ou une chose et les disciplines des êtres de même espèce. C'est ça qu'on apprend nous dans le primaire, c'est ça qu'on nom. Son nom séparé d'un bataille avec l'autre. Donc, en maintenant, l'équipe de primaire, nous venons étudiants plus grands dans affaires. L'école, il y a des bagages ça d'une manière scientifique. Je dis nous, you know, c'est un échec social. Et non, c'est un échec social. Et là, je vais prendre un exemple.
Donc, si vous êtes une société, allez croire ou non, peut-être une simple société, peut-être une société ecclésiologique, mais allez croire ou non, nous sommes en société. Maintenant, si besoin nous besoin dans la société, ça, je suis au micro, si vous voulez le pasteur Fleuron, je dis pasteur Fleuron, je dis Fleuron. Donc toute société va pleurer. C'est le monde qui est dans des noms. Vous comprenez? Amen. Donc, nous, non, c'est une échelle sociale. Si je dis Ernst, quel que soit côté de là, je suis obligé de vivre même les tarifs à l'autre. Et parce qu'on cite nous. On cite nous. Mais non. Si moi, je donne seulement 15 minutes d'abord pour m'expliquer tout ça. Et puis partir avec cette bénédiction. Le texte commence par des recommandations. Par des recommandations. Pousser vers l'Éternel des cris de joie. Maintenant, il y a une problématique théologique dans le texte. Le texte nous dit pousser des cris de joie. Bon, si vous êtes étudiant de la Bible, si vous connaissez en herméneutique, même dans la fille observée, interprétée, on a posé des têtes pour ça crie les joies. On a posé des questions, ça crie les joies. C'est son texte tout le temps, peut-être après le psaume 23, c'est le texte le plus récité ou le plus connu à travers les sautiers. On a posé des têtes pour ça crie les joies. Et puis le texte a dit, pousser vers l'Éternel des cris. C'est intéressant, moi, quelqu'un qui m'a donné temps pour me prêcher des salines. En cri de joie dans la Bible, frères et sœurs, cri de joie de la Bible, c'est des expressions qui portaient mon Dieu en adoration. Qui portaient mon Dieu en louange. Qui portaient mon Dieu en exaltation. Comme Alléluia, c'est le petit mot ça, il y a trois langues là-dedans. Il y a anglais, arabe et autres. Nous, l'on dit Alléluia, c'est écrit. L'on dit béni soit l'Éternel, c'est écrit. Que c'est exactement de pousser vers l'Éternel, c'est écrit. Le texte nous dit habitant de la terre. Son deuxième problématique pendant que ça, parce que on ne sait pas particulier, les habitants de la terre sont invités à faire quoi? À pousser vers Dieu des cris. C'est vraiment dire, c'est texte à dire, les habitants de la terre. Maintenant, deuxième problématique à passer la vie, c'est quoi? Est-ce que tous les habitants de la terre sont des chrétiens ou sont des juifs? Non. Avant de répondre, demande aussi, est-ce que tout le monde qui est sur la terre, c'est chrétien ou des juifs? Non. Qui s'appelle ça dit là? T'es capable de nous en globalité. Les habitants de la terre, qui s'appelle au fait? Pousser vers l'Éternel des cris. Oh, à ma compréhension vis-à-vis de ce texte, ou le premier mouvement du texte, pas de personne sous la tête qui a marré, mignon, mon Dieu. Sous pas accepté, mon Dieu, pas vraiment, par la voie de création. C'est lui qui est créé, mais on ne peut pas accepter par voie d'alliance. Ah. Et quel que soit quoi passé, hein, bon Dieu est en plein bisou. Qui nous donne les têtes ou quand on donne les têtes ou bandit, ou quel soit nous de la tête ou bon Dieu est en plein bisou. Allez quoi ou non, quel que soit chez mon point pour cette position, mon Dieu. Ok, amen pour toi, amen pour toi. Donc, pas une personne qui a mal, un million sous mon Dieu. Dans le bon Dieu, c'est pour te prier. Dans le bon Dieu, c'est pour prospérer. Dans le bon Dieu, c'est pour camper. Qui nous crée Dieu, qui nous parle de Dieu. Poussez l'Éternel des cris de joie, vous tous habitants. Amen. Non, le deuxième mouvement, servez l'Éternel. Tu vois. Service dans le texte. Est un ministère. Je veux
bien content qu'on groupe ici à Kabaka. Honorer le monde qui a fait le ministère. On sait très bien applaudir Frère Daniel de Bois ou son équipe. On a honoré le monde qui a fait le ministère. Service dans le texte. C'est un ministère. Et puis, peut-être ça dit comment on fait ça? Avec joie. Ou à parler l'église, à parler avec. Ou à jouer musique, jouer avec. Ou à adorer, adorer. Ou à prêcher, faire ça avec. Ou à pastorer, faire avec. Claquer pour toi. Faire parce qu'on gracieux pour ça. Son grâce pour Dieu. Faire parce qu'on travaille avec. Pour Dieu, pour Dieu, la nous des exemples pour nous dire, même si nous ne pouvons pas travailler avec, il t'a fait roche pour la table. À tel point, c'est qu'elle dit Moïse, pas la roche et pour roche la paille. Pour où est-ce que je lui pour lui donner là? Est-ce que l'église en règle? De façon où il peut mettre des mots et puis faire le péché. Pour péter, il peut mettre des mots et puis faire le péché. C'est divin, Dieu, s'il n'y a personne sous la terre comme monde.
dit Amen. Son service ou pas le bail. L'autre là, c'est pour y'a pas de prier, fait ça à des fois. Pas faire contre vous-même. Et quel que soit bien, on fait contre vous-même, non, c'est inutile parce qu'on bataille contre tête. C'est ça que moi, non possible que je baille tête, moi, non possible que je baille tête, moi, malgré tout, on se le fera et tout le temps. Malgré tout, on se le fera et tout le temps. Il n'y a pas de gens recevoir un homme, il n'y a pas de bouquet tourné. Et puis je vais recevoir ma chambre. Amen. Je vais vivre loin ou te déposer dans ma rue et puis vous continuez à vous demander devant. Je ne vais pas intimider, je ne vais pas être invité, je ne vais pas me recevoir le monde. Protestant. Comment vous venez quoi sur vous, sur le tablier, sur le dos, levez bien. Mon boss, il me faut que je me lave là, il me dit, je me dis, et puis il dit, ouais, fais TikTok avec moi. Il dit, non. Il dit, monsieur, comme je travaille là pendant deux jours, on fait deux jours avec ça, vous passez. Ça me sert pendant deux jours. Et puis, monsieur, il travaille, et puis, là-haut. Il me presque pour monsieur. C'est pas ça, je vais payer. Oui, c'est ma gomme. Pour recevoir même nos faiblesses. Même si on compte, pour que nous nous avons besoin de nous. Nous compliquer l'église. Nous compliquer vie maritale, nous voulons compliquer travail, mon Dieu. Nous compliquer vie amicale, nous voulons compliquer mal. Sauf la taille 4009 ans, ou une durée 4009 ans. 1000 business. C'est comme si l'église là, t'as un problème avec. Et ma route, t'as un problème avec. C'est petit, nous t'as un problème avec. C'est ma tante, nous t'as un problème avec. Bah, il perd la chance, si vous voulez. Comment c'est l'éternel? De venir avec joie. De venir avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Ok, allégresse au supplie de joie. C'est plus fort que la joie. Donc, il n'y a pas de vie de notre présence pour que ne pas comme avec allégresse. C'est l'église qui finit de bouillon de tout ça qu'on ne capte pas de problème. Et puis entrez l'église, chantez nom, entrez l'église, chantez l'éternité, entrez l'église, chantez espérance. Nous venons l'église, non, nous pas cuit, nous venons l'église, nous quittons espérance, nous derrière. Nous venons l'église, nous quittons adoration derrière. Venez avec l'église, en sa présence. Vous avez dit ça? C'est l'église du bon Dieu. Le bébé, c'est mon Dieu, notre bon Dieu. Si mon Dieu, pas de bon Dieu, il a de la reine. C'est ma complot, c'est ma fait pour le tout. C'est ma, c'est mon Dieu.
scandalisé. Au travail, tu es scandalisé. Pour Dieu le préserver, c'est parce que mon Dieu là. Le travail pour pas là, mais oh ouais, on a mis ça là, mais oh non, encore. Les pas ici, mais avec Lucifer, débouche avec Satan, sont ils pour disparaître le pays. Mais c'est parce que c'est mon Dieu. Mon ami qui a parlé de la dernière, il est même noir. Donc, ma reine, c'était tout le monde qui connaît ça. Michel dit, hier, je viens à parler à Michel Jim Ernst, Tokay, dans le pédiatrie, service pédiatrie, il y a 8 médecins, il y a 7 cas de consorts en France. Suivez-moi. Nous marquons vos mots. Je vais suivre ma femme. Médecin, avocat, agronomale, policier, professeur, monsieur Marianne, dame Marianne, tribunal, grand monade, à quelle société? À mon Dieu. Comme mon Dieu connaît, pas de l'hôpital dans le pays, pas de médecin, pour Dieu qui est pour en santé. Yeah.
Amen. Amen. Nous sommes là, nous sommes là. Célébrer. Il sort de notre fière là, c'est pour ça que Dieu fait pour moi. Célébration en l'édifice. On réchauffe pour célébrer mon Dieu. Parce que l'homme a le roi ou même moi vit en Haïti. Pas de coton touché le pays, il n'y a pas de bandit. Pas de coton rentré, pas de bandit. Bandit l'hôpital. Avant de s'arrêter là, vous mettez votre poste, vous n'avez pas de bandit. Bandit l'hôpital. Bandit l'hôpital. Bandit l'hôpital. Bandit avocat. Bandit ministre. Bandit ministre. Bandit en sujetateur. Bandit en sujetateur. Jusqu'à ce qu'elle me quitte la terre. De voir mon monde, de voir mon monde,
Mais vous savez bien dans la vie. Et pas que le pape blie, et pas que le pape blie, non. Si la vie a vivre séparée, nous même faire silence. Pas de rien à dire. Amen, amen. Pas tant de faire interdit en rien de vous parce que vous l'autre fait bien. Amen. Mais même l'envie de faire mal, c'est pas moi qui a dit nous fait mal. Parce que vous l'avez fait. Amen. Mais on connaît déjà les sérieux. Il est juste seul là. Ou à 99. Ou à changer rien pour moi. Ou à changer rien pour moi. Bénissez son objet, dit-il. L'homme gâte, dis-le, c'est payé en sécurité qui est vivant. C'est parce que mon Dieu dans le ciel là. Chaque fois que vous regardez, vous êtes dans la bouche là, bénissez son nom. Chaque fois que vous regardez, vous n'avez pas envie de déroquer la pile dessous, bénissez son nom. Chaque fois que vous êtes sous rentrez, bénissez. Vous devez monter moto par victime d'accident, bénissez.